ils vont juste rajouter le vinyle. Oh, c'est un truc de ouf. Je n'aurais pas les temps taillés comme un vampire pour après mettre une facette, moi. C'est juste un composite que je mets au-dessus de ma dent, c'est trop bien. Regardez les gars, c'est ça les vinyles. Vous voyez, ils vont rajouter ça sur ma dent. C'est vraiment trop bien. Waouh, regardez les gars. Waouh, ils rajoutent ça sur ma dent. Et pas besoin de les limer en mode vampire ou défoncer mes dents à jamais. Ça, c'est, ça les on les rajoute sur mes dents en fait. C'est trop bien. C'est comme un autocollant en fait. Mais qui est dur comme une dent. Les gars, vous allez être choqués de l'avant après. Franchement, même si j'avais des belles dents, là, je vais avoir des dents de star d'Hollywood. Regardez, en fait, pour coller l'essence de composite, c'est avec une lumière UV bleue. Regarde, c'est bon, j'ai mes dents. Waouh, c'est un truc de ouf. Waouh, c'est un truc de malade. Putain. Bon, le docteur, du coup, il est super gentil. Et oui, normalement, ça coûte 20 000 €. Mais lui, il vous le fait pour 5 000 €. J'ai mis son WhatsApp juste là. Tu lui envoies un message sur WhatsApp. Il va te mettre bien. Ça fait bizarre d'avoir des nouvelles. Ah, c'est un truc de ouf. J'ai oublié de dire un truc. Quoi? C'est la meilleure qualité qu'il met. Ouais, c'est la meilleure qualité pour 5 000 €, les gars, au lieu de 20 000 €. Il vous met bien. Il y a son WhatsApp qui est juste là. Franchement, merci. Thank you, doctor. Thank you. Même Léa Marie aussi a un nouveau sourire. Ça fait pas mal. Et franchement, c'est génial. Regarde l'avant-après. Ta réaction. Truc de ouf ou pas? Ah, ça fait trop bizarre. Punaise. Autrement. Ah ouais, et c'est des vraies dents en fait hein. Ouais. C'est quelque chose qu'on a mis au-dessus de ses dents. C'est bon, on a une nouvelle dent, je suis trop content. Yeah. Putain, qu'est-ce qu'on est content. En plus, on n'a pas des dents de vampire en dessous comme les facettes normales. C'est vraiment un truc révolutionnaire hein. Ah ouais. On est rentré avec la Marie, ça va beaucoup mieux depuis qu'on a refait nos dents. J'ai l'impression qu'avec la Marie, ça va un peu mieux. En attendant, demain, il y a la Ligue des Champions et je peux avoir des pronos gratuits. Oui, tu veux savoir comment faire de l'argent demain avec la Ligue des Champions? J'ai le meilleur pronostiqueur au téléphone. Souli Prono, ça va ou quoi? Ouais, salut Seb, ça va et toi? Ouais, tranquille. Alors dis-moi ce que tu offres à mes abonnés exactement. Eh ben écoute Seb, tu peux dire à tous tes abonnés que tous ceux qui vont m'ajouter sur Snap, je leur offre gratuitement le prono de la Ligue des Champions de demain. C'est un truc de malade les gars, swipe up et regarde sa story, c'est un truc de malade. En plus, son abonnement, c'est seulement à 1 €, swipe up. Regarde ça, un truc de ouf. Du 15 sur 15, ça fait 15 fois qu'il s'est pas loupé. Je te garantis que tu peux faire beaucoup d'argent avec lui. Regarde les preuves, regarde tout ce qu'il a gagné. C'est un truc de malade. Tu peux faire 500 € par jour, 1 000 € par jour, facilement, c'est le meilleur. Ça fait 15 jours qu'il s'est pas trompé sous les prolos. Donc ajoute-le sur Snapchat et va voir sa story rapidement les gars. Allez, dépêche-toi. Allez, swipe up, 90% de réussite, 13 000 membres en VIP. Allez, swipe up, tout le monde est satisfait. C'est seulement 1 €, swipe. Allez, en plus t'as des pronos gratuits sur son Snapchat. En tout cas, tous les deux, ça va beaucoup mieux depuis qu'on a nos nouvelles dents. On est beaucoup plus heureux. Ça va, bébé, ou pas? Oui, ça va. Faut que je prenne ma douche, là, ok? Ouais. Je reviens, ok? Au final, les dents, ça a rattrapé les choses. Et oui, je vous dis, les gars, elle me pardonne très rapidement. Putain, qui vient de sonner. Wow, Chloé! Ça va ou quoi? Ça va, et toi? Attends, Léa Marie, elle est partie prendre sa douche. Viens, on va, je peux marcher un peu dans le coin? Tu veux qu'on aille marcher? Ouais. Ok. T'inquiète, tu parleras à Léa plus tard. T'inquiète. Mais au pire, tu viens nous rejoindre. Ouais. Quand même. Ouais, mais ça va encore créer des tensions. C'est important, non, Seb, faut qu'on se parle. Ouais, c'est hyper important. Ouais, c'est très bien. Ouais. Moi, les embrouilles et tout, ça me met hyper mal à l'aise. Ouais, t'inquiète pas. Moi, j'adore Léa. De toute façon, elle prend sa douche là, j'y peux rien. Je vais acheter ma prod pour repartir à la muscu, j'aimerais avoir un nouveau corps. Maintenant que j'ai des nouvelles dents, il faut plus que des nouveaux muscles. Tu sais très bien que si on a laissé qu'on est les deux là, elle va péter un câble. Oui, mais j'ai pas le choix, faut que j'achète des trucs pour ma prod, pour la muscu. Les gars, je pars à la pharmacie avec Chloé parce que je vais acheter de la prod. Ça va ou quoi, Chloé? Ouais, ça va, très bien. Vas-y hein, rentre hein. Mais... dépêche-toi. Ah, j'ai cru que c'était fermé, j'ai eu peur. Bon les gars, c'est bon, on rentre à l'appart. On est bien. Moi je sais pas si c'est une bonne idée que je vienne à l'appart hein. C'est... mais si, t'en bats les couilles, t'inquiète non, pas. Non mais moi vaut mieux peut-être que je prenne mes distances. J'ai pas envie de niquer votre couple, honnêtement. Vas-y, arrête de te prendre la tête là, t'es de ma mère. Non non, c'est... ah, t'es ma soeur. T'es ma meilleure amie, tu vas rester tranquille. Moi je sais que je suis ta soeur. Mais le problème c'est que là ça va niquer votre couple en fait. Ouais, si ça nique mon couple, ça nique mon couple, je te le dis. Non, c'est... moi c'est pas ce dont j'ai envie en fait. Ah si, je te le dis. Allez, c'est parti. Bon, en tout cas, on est tranquille. Putain, j'ai mis mon maillot de basket par terre. Il est trop beau. Ouais, pourquoi tu le mets jamais? Il est trop beau, c'est de la qualité de malade, tu vois. Je l'ai sur un site internet et en plus, il y a plein de modèles différents. Et t'en as un acheté. Et bah, t'as le deuxième offert, c'est un truc de ouf, il non? Il est super beau. Ouais, de ouf. Bon, en tout cas, vas-y, tu vas pas tarder à partir, sinon la marée va me saouler. Moi, je vais aller. Ouais, ça marche. Je te l'avais dit, je voulais même pas monter. Fiente, ouais, vas-y. Bah, tu sais quoi? Ouais, vas-y, c'est mieux. Par contre, faut vraiment que je lui parle demain. Ouais, promis. S'il te plaît, faut que je sois avec elle demain. Bisous, bisous, ciao. Tranquille. Viens, c'est bon. Tu fous de ma gueule ou quoi? Tu attends que je pars sous ma douche pour rejoindre Chloé en fait et pour aller faire les magasins avec elle là? Non, mais tu fous de la gueule du monde toi en fait. Je vais vriller. Tu joues à quoi? Réponds-moi, vas-y, parle.
C'est quoi ton problème en fait? Dis-moi, c'est quoi ton problème? Okay, y'a pas de meilleur ami en fait. T'attends pas que moi, Léa Marie, ta copine, je pars sous la douche pour te barrer en scred avec elle. Mais tu te prends pour qui en fait? Mais toi dans la tête. J'ai regardé tes snaps en plus. Même Chloé, elle trouve ça pas normal. Y'a que toi qui trouve ça normal en fait. C'est rien, je la connais plus, je suis tout. Mais qu'est-ce que c'est rien? J'en ai rien à foutre. Non, mais tu me respectes en fait. Y'a aucun respect là en fait. Tu me respectes pas. Je t'explique, réponds-moi maintenant. On est venu faire du karting dans l'un des plus grands circuits du Moyen-Orient. Regardez, vous êtes même pas prêts. Vous êtes prêts ou pas? Prêt, gros. Bon, en tout cas, les gars, j'ai ramené une surprise hein, pour faire une grande course pour qu'il y ait plus de personnes. J'ai ramené Trilio et Chloé. Allez, encore. Bah quoi? Toute ta vie, tu l'as ramené. Tu me prends, en fait. C'est bon, tu m'as dit. Ça va? Il n'y a pas 24 heures, tu vas me respecter, en fait. Ah, mais ça va, je l'invite pas au restaurant. Je l'invite pas au restaurant. Ouais, mais moi, je suis venue à Dubaï pour être avec vous. Non, mais en fait, le gars, déjà, hier, il attend que tu sois sous la douche pour partir se promener. Non, mais ça y est. Moi, j'y suis pour rien. Je voulais que tu sois. Bon, les gars. Bref. C'est ridicule. Bref, on parie quoi, là, en fait? On parie quoi? Qui gagne quoi? Ouais. Qui est-ce qui gagne? C'est moi. Je sais pas. Moi, j'irai avec moi, gagne. Je mets 3000 euros pour le gagnant. 3000 euros? Ouais. Attends, contre moi. 3000 balles. Alors, attendez. Là, il est en train de dire que là, on mise 3000 euros. Le gagnant prend 3000 euros, c'est ça? Vas-y, on va voir. Ok, ça va, allez, c'est parti. Pas de soucis. Hein. J'ai fait le championnat d'Europe et le championnat de France. T'as pas peur de perdre 3000 euros là comme ça? Tu t'en fous de 3000 euros? Pas du tout, mon ami. Pas du tout. 3000 euros, c'est quoi? Je le fais dans la journée, frérot. Ouais, mais bon, quand même. Le trading, mon gars. Le trading, ça paye. Ok, ça paye, mais alors, est-ce que tu peux faire vraiment gagner de l'argent aux gens, à mes abonnés, comme t'es en train de faire ou pas mais vraiment? Bien sûr, à 100%. Ils ont juste à me suivre, au chiffre à la lettre près, ils copient et collent. C'est tout, ils encaissent, mon gars. Si j'encaisse, ils encaissent. Pareil. C'est un truc de ouf. On va vous montrer ses résultats. Par contre, c'est vrai, il a gagné beaucoup d'argent, mes abonnés. Regarde. Grâce à lui, tu vas faire 300 euros par jour, des 500 euros par jour. Je te le garantis. Et oui, des 600 euros par jour, des 300 euros en deux semaines. Je te garantis. Il va investir ton argent. Tu auras juste à l'écouter. Vous avez compris, voilà. Il a de l'argent, il a une Rolex, il est bien. Et je vous garantis, c'est pas un mytho. Il fait gagner beaucoup d'argent. Donc tu l'ajoutes rapidement sur Snapchat et va voir sa story. Il dit ses secrets, il vous dit comment faire de l'argent dans le trading. Il vous dit tout. En plus, c'est gratuit ou pas? C'est pas gratuit. 100% gratuit. Vous avez juste à me suivre et tout est gratuit, les amis. Vous ne dépensez pas un euro, pas un centime. Vous avez juste à swiper. Vous regardez bien ma story. Vous m'envoyez un message pour pouvoir justement avoir accès à mon canal Telegram et je vous explique tout directement dessus. Et tu ferais jusqu'à des 500 euros par jour et t'en auras plus rien à foutre de perdre des paris à 3000 euros. Bon, allez, c'est parti. Allez, je vais te faire un peu de maths maintenant. Allez, c'est parti. On va au karting, on se prépare. Avec le coronavirus, il faut attention, c'est bon, on a tout. Trio, t'as pas peur des 3000 euros, t'es sûr? Frérot, t'as pas peur? Non, j'ai plus d'un tour dans mon sac, mon gars, tu le savais. Oh, okay. Les gars, qui vous pensez va gagner? Trio, c'est Bidadi. C'est Bidadi, c'est Bidadi. C'est Bidadi. Aïe, tchao, zayal. Adieu, et c'est parti, qui va gagner? Trilio et Sebidadi, il y a 3000 euros en jeu, alors est-ce que je vais gagner? On va voir, en tout cas, c'est une vraie piste où il y a les championnats du monde sur cette piste. C'est parti, les gars, on va gagner, c'est parti! C'est parti pour la course. Est-ce que moi je vais gagner face à Trillion et gagner 3000 euros? Est-ce que c'est Trillion qui va prendre 3000 euros à moi? Allez, on va voir qui va gagner. En tout cas, il y a Chloé, malheureusement, qui a eu un très très grave accident qui a été filmé par quelqu'un. Très très grave accident. On est inquiet, mais on reste sur la course. C'est la fin de la course, on aura les résultats. C'est parti. Qui a gagné, c'est Bidadi ou Trillion? Je sais pas si j'ai gagné contre Trillion, mais regardez, malheureusement, Chloé a eu un grave accident. Attends, c'est quoi? Regarde, c'est fait mal de ouf. Mon cœur, tu sais, bloqué. Putain, j'ai failli mourir, Seb. De toute façon, regarde là, calme-toi. J'ai trop mal, Bon, les gars, il y a des journalistes qui vont passer. Yes. Bon, les gars, il y a les gens qui vont venir. Il y a l'ambulance qui va passer. Je sais pas si elle s'est fait mal au genou ou quoi. En tout cas, je suis choqué. Chloé va aller mieux, on va voir. Juste avant, on doit parler de qui a gagné. Alors, Trillion, qui a gagné? J'ai gagné, les gars. Les gars, je lui ai mis 3 secondes 5 et même Brian lui a mis 2 secondes. Bon, bah, t'as perdu 3000 euros, hein? Oh non, j'ai pas perdu 3000 euros, mon ami. T'as perdu quoi alors? Ah, je te dis, j'ai toujours plus d'un tour dans mon sac, mon gars. Et oui, c'est vrai, parce que les gars, ils s'en foutent tellement qu'il est blindé, il en a rien à faire de perdre 3000 euros. Mais moi, je suis content de prendre 3000 euros quand même, c'est normal ou pas? Ouais, c'est normal, mais en même temps, je vais faire 6000 avec les trades. Ah, c'est vrai, il va faire un gros coup ce soir pour se rattraper. Alors, elle va mieux, Chloé, ou pas alors? Ça va, Chloé? T'as mal. Elle a mal à la jambe, on va falloir à l'hôpital, frère, la vie de ma mère. Tu veux à l'hôpital ou pas? Ça va aller, Non, mais en fait, elle a dû se fouler au moment où elle a impacté en fait. Ouais, il y a l'ambulance qui arrive. Mais on l'emmène en vitesse. Non, mais on l'emmène en vitesse. Ouais, il faut l'emmener en vitesse.
Ok, putain, les gars, on est vraiment dégoûtés. Ok.